Salut tout le monde, voici sur téléphone aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et je vais vous présenter le top 5 des applications qui vont vous permettre de faire des visioconférences, appels vocaux et ainsi de suite. Donc tout ce qui est appel vocal de préférence. Donc allons-y. Donc tout d'abord, pour chaque application, sauf Ouspartie et Skype, il va vous falloir votre numéro de téléphone qui est obligatoire pour confirmer votre compte. C'est une sécurité en cas de harcèlement, agression et tout. Skype et Ouspartie. Ouspartie, j'ai pas fait de compte parce qu'il demande beaucoup d'informations. Et moi, c'est juste pour faire mes vidéos que j'ai cherché ces applications. C'est les top 5 de Google. Donc, meilleur classement. Et voilà. J'ai rien d'autre à dire. Donc, commençons par Viber. Donc, voilà, vous pouvez créer des groupes. Donc, appelez qui vous voulez dans vos amis gratuitement. Hein. Donc, pour ceux qui n'ont pas numéro appel illimité, ça c'est pratique parce que vous appelez directement sur le numéro de la personne. Mais l'application là, vous pouvez appeler sans inviter dans vos amis. Donc, voilà. Viber est disponible sur PC et tablette aussi. Donc, voilà, je sais pas quoi dire d'autre. Bon, après, c'est voilà. C'est une application assez simple. Après, il y a WhatsApp. WhatsApp. Comme tout le monde fait à chaque fois. Donc, c'est. On va pas faire. Non, non, je ne peux pas faire de photos. On peut faire des snaps en fait. Si vous préférez, on peut faire comme des snaps, des photos. Donc, discussion, on peut faire des groupes. Donc, c'est du FaceTime normal. Hein. Un contre un. Donc, statut. Donc, là, je suis en ligne. Hein. Tout ce qui est vidéo et texte, ça disparaît au bout de 24 heures comparé à Snap qui vont partir tout de suite. Et les appels, donc voilà. Donc paramétrer, vous ajoutez vos contacts ou vous ajoutez des nouveaux contacts directement. Pareil, pas de téléphone, ça appelle sur le numéro ou sur la personne. Donc Duo. Donc c'est pas dur. C'est que Duo, on peut faire un groupe jusqu'à 7 amis dans le chat vocal. Donc 7, c'est pareil. Hein. C'est-à-dire qu'en tout, vous allez être 7 à vous parler en même temps. Donc c'est vraiment pour les vidéoconférences, il n'y a pas autre chose. C'est la meilleure application que j'ai pu trouver. Donc c'est assez sympa. Donc moi, ma famille qui est assez proche, j'aurais conseillé de regarder celle-là parce que je vous rassure, j'ai quand même regardé avant. Je voulais vous faire une vidéo sans regarder en fait les applications, mais en faisant les vidéos, en fait, c'est impossible de les faire. S'il y a un numéro de téléphone à mettre, des données, des dates, des adresses, je ne peux pas faire la vidéo. Donc voilà. Je vous ai 7 amis par groupe. Et Ouspartie et Skype. Donc Ouspartie, c'est face à face. Hein. Donc j'ai pas fait de compte, hein, je vais vous le montrer. SignUp, par exemple. Je peux pas aller dessus. Donc, c'est pour appeler vos amis ou famille. Hein. C'est marqué Talk Your Friend, mais vous pouvez appeler qui vous voulez, quand vous voulez. Bon, sauf s'il dort, il répondra peut-être pas. On s'en fout après. Enfin, moi, je m'en fous pas. Il a intérêt à répondre, sinon je me suicide. Mais ce que je veux dire, c'est que sur Skype, on peut être à 4, jouer à des petits jeux en même temps. C'est-à-dire que. Bah, vous lancez Skype, vous connectez, vous appelez, puis vous proposez un petit jeu. Donc en parlant, vous pouvez faire, je sais pas, des trucs en commun en fait. Ça va être du, je sais pas, des dominos, des machins pourris, mais des jeux que vous allez rigoler, genre faire le meilleur score, des trucs comme ça. Donc voilà pour le top 5 des applications. N'hésitez pas à essayer Viber, Duo, voilà, les autres après c'est des classiques. Mais voilà, je vous invite à essayer Viber. Pour ceux qui n'ont pas de forfait illimité, surtout Duo, si vous voulez appeler toute votre famille ou tout un groupe d'amis, faire des vidéoconférences et Skype. Donc Skype, si vous voulez être à 4. Allez, ciao tout le monde, à plus pour de nouvelles vidéos.